veux écouter Sam d'acier, je dois me dépêcher de recycler ce carton. Allez, mets la gomme, Bip. C'est bon, il est là-bas. Bip, arrête. Bip, attends. Je sais, je vais prendre mes raccourcis. Je les ai appelés les itinéraires Bip. Personne ne les connaît à part moi, le roi de la course. Juste devant nous. Il a dû prendre un itinéraire Bip. C'est comme ça qu'il appelle ses raccourcis. Viseur, action. Je le tiens, suivez-moi. Bip, arrête. Il y a quelqu'un à Métros? J'arrive pas à voir qui. Ça doit sûrement être des chasseurs de déchets. Vous n'aurez pas mon carton à recycler, voleur de déchets recyclables. Et vous... Il a dû passer par là. Enfin, je crois. Je n'arrive même pas à voir au travers. Est-ce que tu peux te servir de ta zoom cam? Zoom cam, action! Il n'est plus très loin de la station de recyclage de mes parents. Suivez-moi. Ah, tu parlais pas du tout comme neuf, il a même pas la même tête. Oh. Allez, on recommence. Allez les amis, encore quelques tours. On s'amuse tellement bien. C'est l'heure de retourner à notre stand. Hein? Non. Attendez. Vous avez vu celui des vis et des boulons? Il y a un monde fou, vous ne voulez pas y aller? Les amis! Hey, les copains! Tout va bien, j'espère! Super! C'est l'heure de montrer notre invention à Madame Bikely! Non! Attendez! Ah, tant mieux! On dirait que tout se passe bien ici! En même temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal! Hey! Est-ce que vous avez cogné ma table? Elle est un peu penchée. Désolée, je l'ai un peu poussée. Allez, on fera mieux de retourner à notre stand. À tout à l'heure. Merci à tous d'être venus à notre journée des jeunes inventeurs. Ils ont fait un travail extraordinaire, je les félicite tous. J'aimerais maintenant vous présenter un projet particulièrement innovant. Deux de mes élèves, Scoutio et DJ, ont créé un accessoire absolument incroyable. Voici donc, sans plus attendre, la super proto-radio de DJ et Scoutio. Oh, tu as vraiment réussi à la réparer? Mais bien sûr. Que se passe-t-il quand nous allumons cette enceinte? Oh, dis donc, très jolie, ces petites lumières. Non, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Oh, allez, mon père! Télécommande, tu prends.
j'y arriverai. Toot, essaie de tourner. Et comment on fait ça? DJ, essaie d'attraper Toot. Je m'en occupe. Whoa!
monsieur a encore gagné. En attendant la prochaine aventure. Je crois que la mission de Madame Becky est terminée. Peut-être, mais pas la nôtre. On doit encore la ramener à la maison. Ah, les enfants, vous ne vous êtes pas endormis, j'espère. Non, on n'a pas fermé l'œil à Jean-Bunker. Tant mieux, on n'a pas le droit de dormir pendant une planque. Où en étais-je? Règle 921. Ricky, vas-y, au revoir. Celle-ci. Oh non, les adresses se trouvent aux quatre coins de la ville. Tu vas perdre trop de temps si tu passes par les routes. Faut que je fasse du tout-terrain. Oui, c'est le seul moyen. C'est justement une moto tout-terrain, Blip. Tu pourrais y arriver les yeux fermés. Rappelle-toi ce que ton père t'a dit. N'aie pas peur de rouler sur les trous et les cailloux et laisse les pizzas suivre le mouvement. Wow, pas de tomber. Gentil, les pizzas, c'est ça, gentil. Il n'y a aucune raison de tomber. T'inquiète, je vais les prendre. Non, continue, c'est bien. Plus tu t'entraînes et plus tu deviens bon. Tu vas y arriver, Blip. Ça y est, c'est bon. T'as vu ça, Ricky? J'y arrive. Génial. C'est pas trop tôt, vous en avez mis du temps. Devinez qui vient de battre le record de livraison de pizza? Frutati. Ouais, je sais, on me le dit souvent. Vous avez aimé le spectacle? Ben, c'est-à-dire que... On n'y était pas. On n'a rien vu parce que j'ai crevé. Oui, je sais, extraordinaire. C'était peut-être le meilleur, à part pour la fin qui n'était pas au top. Il manque un truc. Enfin, bref. Un de ces jours. Hé, attendez, pas si vite. Hein? Hé, refais-moi ça, petit. Vous voulez dire ça, là? Ouais. Ça y est, je l'ai. C'est la fin que je cherchais. Il faut tout de suite que je l'essaye. Vous voulez regarder? Oui. On y va. Merci d'être venu jusqu'ici. Wow. Vous savez, une moto n'est rien sans une équipe. Et j'ai l'impression que vous êtes une super équipe.